Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je voudrais vous présenter et partager avec vous le Romantic Country tome 1. Donc, c'est de la dessinatrice Eri. Voilà, donc c'est pas une édition toute récente, mais il est vraiment magnifique et il faut vraiment que vous le voyez pour vous donner un aperçu de ce livre parce qu'il est vraiment au top. Donc, c'est une couverture souple, voilà, comme vous pouvez voir. Donc, avec une belle épaisseur, à l'intérieur, il y a 80 coloriages, donc vous avez vraiment de quoi faire. Donc, et nous allons le découvrir ensemble. Voilà. Donc, vous avez une première page avec le titre du livre. Donc, en fait, ce livre, il se présente sous chapitre. Donc, voilà, parce qu'il y a des petites histoires dans le livre. Donc, bon, il est écrit en anglais. Donc, si vous êtes fort en anglais, vous allez pouvoir comprendre. Voilà, donc là, vous avez tout un petit parcours en fait du livre avec des dessins. Voilà, là, pareil, comme une carte. Là, là, on arrive au chapitre 1. Donc, c'est un très très beau livre avec de très belles illustrations. Vous avez vraiment beaucoup de détails. Elle est juste somptueuse. Alors là, je vous présente des coloriages que j'ai fait moi. Donc, je l'ai attaqué, hein, donc vous allez voir mes mises en couleur en même temps. On arrive au chapitre 2. Donc la qualité du papier est vraiment très épaisse, hein, elle est supérieure, hein, donc ça ne transperce pas. Là, vous avez aussi des doubles pages, donc vous avez de quoi faire. Il existe aussi le tome 2 et le tome 3, hein, dans la même collection. C'est un livre que vous pouvez vous procurer sur Amazon. Alors, je vous invite aussi à me rejoindre sur le groupe Facebook, La boîte au défi, où il y a un album déjà ouvert de ce livre. Et on peut mettre tous nos coloriages qu'on a réalisés et les classer dedans. Et une belle bibliothèque avec un joli feu de bois, un petit chat. C'est vraiment très très beau. Donc, après, bon, comme vous voyez, hein, moi j'ai utilisé de la pastel pour les fonds, donc du coup ça s'est un petit peu déteint sur l'autre coloriage, mais un coup de gomme, ça part très très bien. Voilà, alors on m'a conseillé de mettre un fixateur de pastel pour que ça ne fasse pas cette déteinte, on va dire. Voilà, donc on arrive à la fin. Voilà. Et là, vous avez tous les chapitres à la fin du livre avec les dessins qui correspondent. Voilà.
Et vous avez aussi un poster. Alors, on va le... Oups, on va éviter de le déchirer. Donc, j'ai fait une bêtise. Hop là. Voilà. Donc, vous avez un poster. Il faut éviter de déchirer comme moi. Voilà. Et je suis condamnée à mettre du scotch. Voilà. Et vous allez pouvoir faire votre poster. Voilà, comme vous pouvez le voir. Avec de très, très beaux dessins. Donc, faites attention en le décrochant. De ne pas le déchirer comme moi. Et voilà. Donc, comme vous voyez, hein, la couverture... Il y a double couverture, vous avez même un dessin sur la couverture de fin. Voilà. Donc j'espère que ce livre vous a plu. Et puis ben, n'hésitez pas à la commenter et à me faire un petit like. Donc je vous souhaite de très très bons colos avec ce livre. Et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.